Bonjour, par cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un délicieux tiramisu salé à la tomate confite. Pour commencer, il vous faut 250 g de mascarpone, un œuf, 100 g de tomates séchées, puis un demi-oignon émincé, puis du basilic frais, j'utilise des petits pots d'aide culinaire, du sel, du poivre et une tomate que je coupe en rondelles très fines. Dans un saladier, je commence par monter en neige mon blanc d'œuf. Et j'y incorpore le mascarpone. Et je mélange. Je rajoute le sel et le poivre. J'incorpore les petits oignons et la cuillère de basilic frais. Et je mélange bien le tout jusqu'à ce que j'obtienne un mélange homogène. Pour finir, j'ajoute le jaune d'œuf, je mélange bien et je réserve au frais minimum une heure avant de dresser mon entrée. Je sers dans des verrines de type pot à lait et je commence par y mettre une rondelle de tomates fraîches. Je récupère ma crème de mascarpone au frais et je remplis ma petite verrine à moitié. Et je recouvre avec cette fois-ci de la tomate confite que j'ai coupée en petits morceaux. Je recouvre à nouveau avec la crème de mascarpone au basilic. Et je termine à nouveau avec de la tomate fraîche que je dépose sur le dessus de ma verrine. Je saupoudre de poire pour apporter une jolie couleur à ma verrine et je réserve minimum 3 heures au frais pour bien que le mascarpone se fige et que mes petites verrines prennent la texture d'un tiramisu. Et une fois que votre tiramisu salé à la tomate confite a bien refroidi, il n'y a plus qu'à vous régaler. Une recette que je vous recommande car elle est simple à réaliser et plaît énormément à mes invités. Bonne dégustation !